Comment avoir des centaines de points de presse plus rapidement et plus facilement possible sur FH5, ça va être le thème de la vidéo et c'est parti. Yo tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui effectivement on va s'intéresser aux points de prouesse. Ils sont extrêmement utiles pour choper des belles récompenses comme de l'XP, des points force à ton, des super tirages, des tirages et j'en passe. Et aujourd'hui on va voir ensemble quelles sont les meilleures courses à faire pour justement les former le plus rapidement et le plus facilement possible pour ensuite pouvoir les dépenser comme on le veut. Donc si jamais la vidéo te plaît, pense bien à mettre un petit pouce bleu et pense bien également à t'abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit et ça me soutient énormément. Vous êtes plus de la moitié à regarder les vidéos et ne pas être abonné, donc pensez à le faire, c'est hyper important. Comme ça, au moins, vous ne loupez plus aucune des prochaines vidéos sur la chaîne. Vous retrouvez d'ailleurs tous mes réseaux en description pour ceux que ça peut intéresser, Discord, TikTok, Instagram, n'hésitez pas à checker un petit peu partout. Et nous, on est parti pour voir les meilleures courses pour avoir des points de prouesse sur Forza Horizon 5. Bon, tout d'abord, on va s'intéresser aux prérequis qu'il va falloir avoir pour farmer les points de prouesse le plus efficacement possible. Ça va être d'avoir la bonne voiture, c'est-à-dire la Lamborghini Sesto Elemento Forza Edition, qui a des boosts de prouesse et qui va énormément nous aider pour en avoir le plus vite possible. Cette Lamborghini, malheureusement, on ne peut pas l'avoir dans le salon auto, il faut absolument l'avoir en tirage, en épreuve saisonnière ou sinon dans la salle des ventes. Mais cette voiture en salle des ventes, c'est minimum 9 millions de crédits pour l'avoir en achat immédiat. C'est la valeur qu'elle a depuis quelques temps déjà, donc 9 millions c'est quand même vachement cher. On va essayer de voir si on peut pas l'avoir un peu plus facilement. Évidemment, la chose la plus simple ce serait de l'avoir dans un tirage, chose qui est possible, mais ça relève uniquement de la chance. Donc ça dépend vraiment de vous et de votre chance. Mais si jamais vous n'avez pas la chance d'avoir la Sesto Elemento Forza Edition, vous pouvez très bien avoir la Chevrolet Corvette Forza Edition. Elle est certes un tout petit peu moins efficace et encore ça dépend des courses, mais avec son boost de prouesse propre, elle peut être également super intéressante, notamment au niveau des courses AFK de prouesse qu'on verra par la suite. Celle-ci par rapport à la Sesto, elle vaut absolument rien, à peine 300 000 crédits, donc là c'est beaucoup plus à la portée de tout le monde. Bon, maintenant qu'on a vu les prérequis au niveau des voitures, on va s'intéresser aux paramètres qu'il va falloir mettre pour les courses et ça va être sensiblement les mêmes à chaque fois, c'est-à-dire de mettre absolument toutes les aides possibles afin que la voiture se dirige toute seule, qu'elle freine toute seule si besoin, au moins vous n'avez plus qu'à maintenir l'accélérateur au niveau des courses. Et pour commencer, la meilleure course à venir farmer, ça va être celle-ci. Vous avez le code de partage en bas à droite. Cette course-là vous donne 10 points de prouesse toutes les 18 secondes. C'est la course de prouesse la plus rapide et la plus efficace qu'on ait sur FH5, donc n'hésitez pas à en profiter avec la Sesto. En revanche, attention, pas sûr que ça marche aussi bien avec la Chevrolet. D'ailleurs, vous savez quoi, on va tester dès maintenant avec la Chevrolet. J'ai 19 points de prouesse avant de lancer la course. La course va à présent se lancer et vous n'avez plus qu'à maintenir l'accélérateur comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau des paramètres. Grâce à tout ce qu'on a configuré juste avant, la voiture va se diriger absolument toute seule. Vous n'avez plus qu'à maintenir votre gâchette d'accélérateur enfoncée, faire en sorte que la manette ne se déconnecte pas, mais normalement en 20 secondes il n'y a pas de souci là-dessus, et ensuite vous relancez la course autant que vous le souhaitez à l'infini. Pas besoin de quitter la course, faites juste relancer à la fin de la course pour avoir un maximum de points de prouesse à la fin. Et donc maintenant au niveau des prouesses, on peut voir que je suis monté à 29 points de prouesse exactement, donc vous gagnez bien 10 points de prouesse même avec la Chevrolet avec cette course là. Pour un véhicule qui vaut même pas 300 000 crédits, c'est vraiment rentable. Voici donc la super alternative à la Sesto pour performer 10 points de prouesse toutes les 20 secondes avec cette course et cette voiture. Alors pensez bien tout de même à aller voir au niveau des prouesses, à bien prendre toutes les maîtrises intéressantes, notamment les deux qui sont ici sont vraiment primordiales et vous avez aussi celle-ci qu'il faut absolument prendre, sinon la chaîne de prouesse risque de se casser à certains moments. Maintenant pour ce qui est des courses AFK, je vais vous recommander cette course là, la course de DPG Marvin avec ce code de partage en bas à droite. Et pour ce qui est du véhicule, ça ne change pas, on reste avec cette bonne vieille Chevrolet Forza Edition qui fait très bien l'affaire. Et donc à présent nous voilà dans la course. Encore une fois, au niveau des paramètres, ça ne change pas par rapport à la course qu'on a vu tout à l'heure, c'est tous les paramètres complètement en AFK, toutes les aides possibles. Pensez bien à débrancher vos volants aussi, toutes les courses AFK etc, ça ne marche pas si vous avez un volant qui est branché, donc pensez bien à débrancher et à relancer votre jeu. Et maintenant pour ce qui est de cette course avec la Chevrolet, ça va également marcher avec d'autres véhicules, mais c'est en tout cas celle-ci que je vais vous recommander. En plus de ça, c'est un véhicule qui est à la portée de tout le monde, donc c'est certainement le meilleur véhicule à venir farmer. Comme c'est précisé, c'est une course qui est totalement AFK, c'est-à-dire que vous pouvez la lancer et partir pendant des heures au travail, en cours, peu importe, vous lancez la course, vous faites en sorte que votre manette ne s'éteigne pas et vous aurez des centaines et des centaines de points de prouesse toutes les heures sans rien faire. La quantité exacte, c'est environ 200 points de prouesse par heure sans rien faire. C'est vraiment super fort. Je vous partagerai juste après tout ça des techniques pour pouvoir bien dépenser vos points de prouesse afin d'avoir des tirages, des super tirages, de l'XP, des crédits, plein de choses extrêmement intéressantes. Et grâce à cette technique là, vous avez des points de prouesse sans rien faire. D'ailleurs, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà cette course, elle est déjà
déjà extrêmement ancienne. Ça fait quelques mois qu'elle est sortie, même peut-être quelques années qu'elle est sortie, mais au moins elle a fait ses preuves. C'est une course qui fonctionne dans le temps, et c'est également ce que j'ai envie de vous apporter, des courses qui fonctionnent et qui vont fonctionner également super longtemps, pas des courses qui vont être patch d'ici quelques temps. Là au moins vous êtes tranquille avec cette course, profitez-en comme vous voulez. L'avantage aussi avec ces courses là, c'est que vous pouvez les arrêter à n'importe quel moment et que ça va sauvegarder absolument tout ce que vous avez récupéré dans la course. La seule chose à faire quand vous avez terminé, c'est d'appuyer sur le frein à main de la voiture, c'est-à-dire le bouton A sur manette et le bouton espace sur PC. Dès que vous appuyez sur le frein à main, la course va s'arrêter automatiquement. C'est parti. Le frein à main est appuyé et ça y est, c'est terminé, la course s'arrête automatiquement. Maintenant, on va récupérer nos récompenses. Vous pouvez faire ça du coup pendant des heures et arrêter autant que vous le souhaitez. Voilà, bien sûr, je précise quand même, mais c'est pas une course qui a pour but de vous faire gagner beaucoup d'XP ou beaucoup de crédits. C'est surtout pour vous donner beaucoup de points de prouesse. Bien que quand même 21 000 XP et 50 000 crédits en peut-être même pas 5 minutes, c'est pas dégueulasse. Mais ça a surtout pour but de vous donner beaucoup de points de prouesse à dépenser par la suite. Bon, maintenant que vous avez récupéré la blinde de points de prouesse, on va maintenant s'intéresser à comment bien les dépenser et notamment sur les bons véhicules avec les bonnes maîtrises pour avoir plein de belles récompenses à la clé. Alors bien sûr, la meilleure technique, ça va être d'acheter un maximum de piles trident à seulement 25 000 crédits. Et dans les maîtrises de cette voiture, vous allez pouvoir récupérer 2000 XP et en plus de ça, un super tirage de manière illimitée pour seulement 9 points de prouesse. Donc que ce soit avec la course de 20 secondes ou avec la course AFK, vous aurez ça de manière illimitée et c'est beaucoup trop fort. C'est certainement la meilleure voiture pour avoir un super tirage et l'XP le moins cher possible. Une autre voiture extrêmement sous-cotée et très peu connue que je vais vous recommander, ça va être la Ferrari 360 CS. Une voiture qu'on peut retrouver à même pas 110 000 crédits ou même en enchère jusqu'à 20 000 crédits. Et pour ce qui est des maîtrises de la voiture, vous allez retrouver d'abord 25 000 crédits ici, 10 000 XP et 2 tirages ici, en plus d'avoir 10 petits points Forzaton. La voiture est extrêmement rentable, il manquerait juste un petit super tirage et elle serait complètement abusée. Mais là, rien qu'avec ça, déjà, c'est vraiment un très bon véhicule, très peu connu en plus de ça, à venir farmer. Bon, celle-ci aussi, bien sûr, on ne la présente plus, la Bugatti Divo, toujours aussi efficace à venir farmer. Alors certes, il faut bien penser à prendre des voitures complètement d'origine. Quand elles sont améliorées au niveau des réglages ou même quand elles sont repeintes, il faut complètement abandonner. Concentrez-vous sur des voitures qui sont complètement d'origine, comme par exemple les trois qui sont ici, c'est des valeurs sûres. Si vous voulez d'ailleurs une petite technique pour voir si les prouesses sont quasiment sûres d'être disponibles, n'hésitez pas à aller inspecter la voiture. Vous allez ici dans voir le vendeur, voir l'interface de création, et vous aurez ici un indice extrêmement important, c'est le niveau du joueur, le niveau du vendeur en question. Il était niveau 21 par exemple cette voiture là, donc je vais l'acheter, et logiquement un niveau 21 qui met la voiture en vente n'a pas pensé à récupérer toutes les maîtrises de la voiture. Maintenant si je veux voir ma petite Bugatti Divo que je viens d'acheter, on va aller voir au niveau des prouesses si tout est disponible ou non. Alors ici présent par exemple, on peut voir qu'il n'y a pas tout qui a été pris, certes les crédits, les points Forzaton, et on a le tirage qui a été récupéré, mais il reste encore le plus important, avec par exemple les 20 000 XP ici, ce qui vous fait quasiment passer un niveau à chaque fois, et surtout les deux super tirages. Là on peut voir que c'est encore totalement disponible, donc évidemment on va pas se priver. On récupère aussi du coup les deux super tirages, et ça, ça fait grave plaisir. Allez, vous savez quoi, retentons l'expérience ici avec ce niveau 48 qui a mis une Bugatti Divo, on va la racheter et voir encore une fois s'il y a des belles maîtrises disponibles. Allez, c'est parti, c'est l'heure du reveal, et effectivement tout est encore disponible. Alors malheureusement j'ai loin d'avoir assez de points de prouesse pour pouvoir tout récupérer, il en faut exactement 42 pour tout récupérer avec l'XP et les deux super tirages, donc là je vais pas pouvoir tout récupérer malheureusement, mais on voit qu'encore une fois toutes les prouesses importantes sont bien disponibles et même toutes les prouesses tout court sont disponibles avec cette voiture. Vous voilà donc maintenant au taquet pour pouvoir farmer énormément de points de prouesse pour avoir ensuite des belles récompenses comme on l'a vu par la suite. De mon côté, j'espère que ces techniques vous auront plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, pensez bien au petit pouce bleu et à l'abonnement, c'est le meilleur moyen de me soutenir et en plus de ça c'est complètement gratuit, donc n'hésitez pas et foncez. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, pensez bien à mettre 10 vots en commentaire pour voir qui sont les vrais qui regardent toutes les vidéos jusqu'à la fin. Un gros merci à vous. Moi je vous fais du coup des petits bisous, bonne soirée à tous, bonne journée, ciao tout le monde.